sais très bien que quelquefois ce n'est pas très drôle pour toi de supporter son caractère, de la sentir à nos côtés, de n'avoir plus d'intimité, bien que pourtant elle soit ma mère. Je sais aussi que ça t'agace quand pour des riens elle m'embrasse, comme si j'étais toujours une gosse. Quand elle vient te conseiller sur la façon de t'habiller ou sur la couleur de mes robes, pourtant quand tu as du chagrin ou que tu ne te sens pas bien, la voilà inquiète de suite. Elle se tient là tout près de toi, prête à faire ce que tu voudras, parce que pour elle tu es son fils. Quand on est vieux, pour nous laisser en tête à tête, sitôt dîner, elle s'inquiète de regagner vite sa chambre. Mais je sais que dès cet instant, elle n'attend plus que le moment où nous serons encore ensemble. Tu lui achètes quelques bonbons, quelques violettes, elle en est émue jusqu'aux larmes. C'est comme si tu déposais tout le bonheur du monde entier dedans son cœur de vieille dame. Son grand bonheur, sa grande joie, c'est quand je l'emmène avec moi faire une courte promenade, prenant mon bras bien tendrement, elle se redresse fièrement, croyant que tout le monde nous regarde. Quand on est vieux, pour nous laisser un peu plus libres. Pourtant c'est toi qui as voulu, lorsque mon père a disparu, qu'auprès de nous elle vienne vivre. Bien sûr il y a des maisons où l'on accepte en pension les vieilles dames de son âge, suis allée, mais quand j'ai vu comment c'était, j'ai senti fondre mon courage. Comment pourrais-je lui expliquer qu'après l'avoir tant dorloté, aujourd'hui on ne veut plus d'elle. Un jour aussi nous serons vieux, pour nos enfants, un de nous deux sera aussi le même problème.